Tu viens pas au tennis? Si, si, j'y vais, mais je voulais passer un moment avec toi. Comment tu te sens? Mieux qu'hier. Mais moins bien que demain. Et toujours mieux quand t'es là. C'est idée de vouloir faire chambre à part aussi. Je sais, mais j'aime pas que tu me vois lorsque je suis pas bien. Et comme c'est souvent. Je t'aime quand tu vas bien, je t'aime quand tu vas mal. Tiens, en fait, je t'ai laissé une enveloppe là-bas sur la console. Qu'est-ce que c'est? T'avais pas flashé sur une montre? Il suffit que je regarde un truc pour l'avoir deux jours après avec toi. J'ai même pas besoin de faire une liste au Père Noël. Ça va aller? Oui, bien sûr. Jeudi, t'es là de toute façon. Bon. Je vais y aller, je veux pas rentrer trop tard. En plus, il y a un film que je veux absolument te montrer. C'est La Comtesse aux pieds nus. Vous serez de retour pour le dîner de madame, j'imagine. Je serai de retour pour le dîner de madame, Judith. C'est très aimable à vous de vous en soucier. Mais madame me paie justement pour que je m'en soucie. Passez un bon après-midi, monsieur. Passez un bon après-midi, Judith. Tiens, ben voilà le prince charmant. J'ai ma princesse qui m'attend. Je pense que oui, elle vient de passer 2 heures dans la salle de bain. Tiens, regarde, cadeau. Waouh, elle est magnifique. Elle m'a donné un chèque pour une montre que j'avais vue. Donc du coup, j'en ai pris une autre et j'en ai deux pour le prix d'une, quoi. Tu changeras jamais. Non, j'ai pas envie du tout d'ailleurs. Et nous, ça va changer? Faut que tu sois patiente. Elle va de plus en plus mal, mais c'est une question de temps. Parle-moi les détails. Tu me fais peur quand tu parles comme ça. C'est hyper glauque. Bah c'est peut-être glauque, mais quand t'auras ta maison en paros avec le pognon de l'héritage, ça le sera moins. Ouais, mais c'est parfois difficile à supporter. Combien de temps ça va durer? Bah nous, on a toute la vie devant nous. Tous les trois? Ouais, mais j'ai pas envie que mon gosse connaisse la même chose que moi. J'ai pas envie qu'il connaisse la misère et j'ai pas envie qu'il me mendie pour de la bouffe. Bientôt, Magali, ça va être de l'histoire ancienne et je vais être un riche bœuf. C'est juste que j'aimerais t'avoir avec moi maintenant. Plutôt que d'avoir à supporter cette histoire de fou. Pourquoi tu me fais peur quand tu parles comme ça? Allô? Ok, mais rapide. Rappelle pas surtout, c'est pas la peine. Ouais, bah à chaque fois que tu m'appelles, c'est pas pour me demander l'heure. T'es grognon? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Laura qui t'emmerde ou ta femme adorée? Qu'est-ce que tu racontes? Elle m'emmerde pas. Puis c'est pas marrant pour elle et c'est pas marrant pour moi non plus. Mais je peux pas lâcher Magali maintenant. Alors, tu vois ce que je veux dire? Je crois que je vois.
Vraiment, ça me dépasse. J'arrive pas à y croire. Tu t'es jamais attaché à elle. Pas même un minimum. Attaché, si, ouais, à son pognon. Arrête de faire les vierges effarouchées, tu le fais très bien. Elle va quand même à lâcher une larme. Ouais, l'enterrement, je vais faire le max. Plus cynique, on fait pas, hein. Arrête avec ta morale à deux balles. Je la rends heureuse et elle me rend heureux. Tu veux quoi? Tu veux qu'on retourne au resto du cœur comme on faisait avec maman, c'est ça? T'oublies rien? Qu'est-ce que vous faites là toute seule, Judith? Qu'est-ce que vous faites toute seule dans le Nord, Judith? Madame s'est endormie très tôt ce soir. Ah, déjà? On devait regarder un film tous les deux. Fallait peut-être le regarder plus tôt cet après-midi. Mais madame déteste être vue en pleine dialyse, ça vous a pas échappé, ça, Judith? Vous devenez pire qu'une louve. Si ça peut lui être utile. Bonne nuit, Judith. Pareillement, monsieur. Viens au salon, je vais te montrer quelque chose. Maintenant? Oui, maintenant. Viens. C'est quoi? Depuis le temps t'en parles. Attends, mais c'est des cadeaux tous les jours avec toi. Profites-en tant que ça dure. Arrête, j'aime pas quand tu parles comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, mais c'est juste que je suis trop dépendant de toi. Faut que je trouve un boulot. Mais si tu cherches un travail, c'est mon devoir. Bah non, je serai toujours là. Je suis désolée de vous déranger, mais je vous rappelle qu'on a rendez-vous avec le professeur Ebner à 15h. Je sais. Je sais ce que tu penses de médecin. Mais comme disait Gabin, on ne sait jamais. L'idée de refaire une série d'analyses m'angoisse terriblement. Je sais. Et justement, je voulais te dire que... Enfin, je te l'ai dit mille fois, mais quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi.
tu le sais. Oui, je le sais. Je t'aime. Moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. T'es sûr? Bah, elle va faire des nouvelles analyses avec des nouveaux médecins. En ce qui nous concerne, c'est plutôt bon signe, non? Puis tu sais, on va en savoir plus très bientôt. Hein. C'est ce que tu voulais, non? J'ai l'impression qu'on est complètement inhumain. C'est horrible de souhaiter la mort de quelqu'un comme ça. Et puis qu'est-ce que t'en sais qu'elle va mourir bientôt? T'en sais rien? Un médecin. Tu sais que ce qu'elle te raconte, c'est tout. Pourquoi elle me mentirait? Elle me dit tout. Puis inhumain, c'est pas ma faute si elle est gravement malade. Enfin, tu sais tout ce que les médecins veulent bien lui dire, surtout. Oh, je sais pas, ça se trouve, il lui mente, ou il se plante, ou il la rassure. J'en sais rien, t'en sais rien. On est dans le noir, tous les deux. Tu veux que je fasse quoi? Je sais pas. Quelque chose de concret pour une fois. Savoir où on en est tous les deux. Bon, allez, bientôt c'est fini, j'en ai marre. Mais c'est chiant, une fois sur deux, c'est la même chose. Madame par-ci, madame par-là. Et moi, je me retrouve comme un pauvre con, comme ça, devant mon McDo, tout seul. Tu pourrais te rappeler que je suis là, quand même. Je sais, c'est pas marrant pour toi, mais c'est un boulot sans horaire, ce truc. Et puis, avec son abruti de mec, c'est toujours galère au dernier moment. Et du coup, c'est moi qui trinque. Elle peut pas se passer de toi, cette Magali. Elle va pas claquer comme ça du jour au lendemain. Écoute, on en a parlé mille fois, on va pas recommencer à s'engueuler. Tu le sais, c'est super bien payé, mais y a pas d'horaire. Puis j'ai pas envie de bosser au supermarché. Et quand on part tous les deux, ce boulot, ça nous permet d'éviter les campings. Hein. Mais tu vois, à la rigueur, je préférerais les campings. Ça nous permettrait de passer du temps ensemble, moi. Je suis là maintenant, hein. Ouais. T'es là, mais moi, je dois aller bosser. Moi, j'ai des horaires fixes, j'ai tous mes week-ends. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas la tuer pour être plus dans tes bras. Non, c'est pas ce que je veux te dire, mais à chaque fois qu'on parle de ça, on s'engueule, c'est chiant. Je crois que je t'aime trop. Moi aussi, crétin. Magali?
Mais dites-moi, ça fait des années que je ne vous ai pas vu. Ceci dit, à votre âge, c'est plutôt bon signe. C'est quand on vient plus vieux que c'est embêtant. Qu'est-ce qui vous amène? C'est pas pour moi, c'est pour ma femme, docteur. Voilà, ma femme est suivie par plusieurs médecins depuis des années. Et en fait, elle est malade. Enfin, elle est même gravement malade. Et j'ai cru comprendre que ses résultats d'analyse n'étaient pas très bons. Donc je voulais avoir un avis extérieur. Vous savez, j'ai tellement de projets avec elle de l'emmener, de voyage. Enfin, vous comprenez, quoi. Oui, bien sûr. Vous avez des analyses? Oui. Tenez. Merci. Votre femme devrait changer de médecin. Comment ça? Bah, par un taux de plaquettes légèrement supérieur à la moyenne, il n'y a rien d'inquiétant. Votre femme est en pleine forme, mon vieux. Vous pourrez faire le tour du monde. Mais c'est pas possible. Attendez, je comprends pas. Vous êtes sûr? Tu es en médecine de première année, vous direz la même chose. Pas possible. C'est pas possible. Elle a pas pu te mentir pendant tout ce temps-là. C'est un monstre. Elle est pire que moi. Je pensais pas que pervers comme ça, ça pouvait exister. Je sais pas comment je vais faire. Bon. C'est pas une si mauvaise nouvelle après tout. Pardon? Ben ouais. Maintenant que tu sais qu'elle s'est foutue de ta gueule, tu vas pouvoir demander le divorce. Y'a plus rien qui te retient à elle. Mais t'es malade ou quoi? Et l'argent? Si je divorce, j'aurai pas un rond. Tu peux essayer de négocier une petite rente. Une petite rente, mon cul, j'ai pas fait tout ça pour une petite rente. Pas question que je divorce. Pas question. Alors quoi, on va se cacher encore pendant 20, 30 ans? Mais tu comprends rien. Si je divorce, j'aurai pas de sous. Okay, elle peut se payer une tripotée d'avocat, moi je peux pas. J'aurai rien. Et c'est si grave que ça? Mais t'es conne ou quoi? Tu crois quoi? Tu crois que j'ai fait tout ça pour rien? Tu crois que j'ai envie de redevenir pauvre, c'est ça? Pauvre de quoi? Je suis là, moi. Et je travaille. Tu verras, tu travailleras, on s'y fait. Et je vais travailler où? Dans un bureau, à l'usine, je vais faire quoi? Chauffeur-livreur? Je sais rien faire. Et toi, à part vendre 2-3 toiles par an, là? C'est une malade, elle s'est foutue de ma gueule. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Il y a tout qui s'est écroulé en une seconde. Tu sais, ça m'arrive tous les jours. Si c'est qu'une question de pognon, peux-tu toujours buter ta femme? Arrête de déconner, j'ai pas la tête à ça. Alors quitte-la. Merde.
Avec Laura, ça dure depuis le collège. Tu n'as pas risqué de tout perdre pour une histoire de pognon. On trouve tous les jours du pognon. Ouais, t'en as la preuve, toi. T'as surtout la preuve que je suis pas malheureux. D'accord, avec Sophie en galère. C'est difficile, même. J'ai l'impression de vivre, quoi. Arrête, tu me vends du rêve. J'avais oublié que t'étais pas un poète. Si ton moteur c'est le pognon, reste avec la greluche et pars à l'abri du besoin. Si tu veux mon avis, moi ça m'arrangerait presque. Je pourrais continuer à te taxer. Mais si tu veux partir avec Laura, c'est pas mal non plus. C'est même mieux. J'en sais rien. Je suis stressé, je sais pas quoi faire. À ta place, moi non plus. Je vais me reposer avant de partir. Tu sais, je réfléchis. Et je pense que c'est bien que tu vois des médecins différents. Tu veux toujours pas que je t'accompagne ? C'est notre accord. Jamais. Bon. On se revoit tout à l'heure. Je repasse. T'inquiète, hein, tu pourras continuer à me taxer. T'es sérieux? Tu vas faire quoi avec Laura? Tu lui as parlé? Non, pas encore. Faut déjà que je règle ce problème de gosse et enfin, je peux pas le garder, quoi. Je vais lui expliquer et je vais lui donner ce qu'il faut, quoi. Putain. C'est frais, c'est chic. Donner du pognon à sa maîtresse pour qu'elle se fasse avorter. Tu fais dans la délicatesse. Arrête avec ta mort là de balle. Je vais lui demander du fric pour acheter un appart et. Je sais pas, pour. Monter 2-3 boîtes à mon nom. Là, je peux pas la larguer, là. C'est trop compliqué. Pourquoi tu t'accroches autant au pognon? Ça devient maladif chez toi? Bah. Parce que j'ai pas envie de revivre la misère. Ah, voir une orange à Noël, aller au resto du cœur. Toi, t'as pas connu ça parce que t'étais trop petit, mais. Voir des mecs qui se foutent sur la gueule pour du yaourt ou pour du cassoulet. J'ai pas du tout envie de revivre ça. Du tout. Je comprends. Je suis pas sûr que Laura en fasse autant. T'as une permission? Je voulais te voir pour qu'on se parle. Avec la tronche que tu fais, je crois que j'ai compris. On oublie le divorce, c'est ça? Compliqué que ça. C'est pas très difficile, il te suffit d'un avocat.
Et si c'est vraiment un monstre, comme tu dis, je suis sûre qu'elle comprendra. Faut que tu comprennes que pour moi, c'est quoi? Tout gâcher? Rester accroché à cette bonne femme pour son pognon? Puis tu sais, on pourrait faire comme avant. C'est juste une question de temps, c'est tout. Question de temps, c'est tout. C'est pas vrai. T'entends ce que tu dis? On va pouvoir se revoir comme avant. Je te rappelle que tu vas être papa dans quelques mois. Je sais, mais pour l'instant, c'est impossible. Faut que tu me fasses confiance, j'ai trouvé un endroit déjà. Un endroit? Répète ça, s'il te plaît. Oui. Rends pas les choses plus compliquées. T'aurais fait la même chose à ma place. T'es là, je te cherchais. Ça va? Tu sais, je voulais te parler de quelque chose. Si tu veux des enfants, c'est refusé. Tu sais, je crois que je déteste les enfants tout autant que toi. Non, je me demandais, avec l'accord des médecins, bien sûr, si... t'accepterais qu'on soit sur une petite croisière tous les deux en amoureux? C'est une superbe idée. Mais tu sais que dans mon état... Mais moi je trouve que tu vas de mieux en mieux. Et puis tu sais, si c'est ce qui t'angoisse, on peut faire médicaliser une cabine. Hein. Puis on irait pas très loin, on irait en Méditerranée. En plus on a même pas eu de lune de miel tous les deux. Promis, je vais en parler à Fougerolles. Et puis tu sais, je dois te parler vraiment beaucoup de trucs de... de projets que j'ai dans la tête, de nous deux. Tu me promets que t'y penses? Bon. J'y vais, on se revoit tout à l'heure. Judith? Oui? Vous voulez bien sortir la voiture du garage? Maintenant, vous êtes sûre? Oui. Je vais faire juste un saut à l'agence de voyage. Il veut partir. Je veux partir avec lui. Profiter de la vie. Arrêter cette comédie. Tout lui raconter. Et si Quentin revient? Vous lui direz que je me suis rendue à l'hôpital? Je sais ce que vous pensez, Judith. Et on le sait toutes les deux. Il ne m'est pas épousé pour mes beaux yeux, même s'ils sont magnifiques. Mais bon, après la mort d'Andris, pendant des années, mon cœur s'est arrêté de battre, mais il est arrivé. Et en horlogie, eh bien, il est remonté l'horloge. Et je crois même que je suis tombée amoureuse de lui. Mais je n'ai jamais été dupe. Je sais, c'est incroyable d'aimer quelqu'un qui n'attend que votre héritage et votre mort. Mais il est là, toujours présent. Il me donne l'impression qu'il m'aime. Et qu'il sera toujours là, jusqu'à la fin. Alors je crois que ça me va. On est deux monstres, en fait.
Tout ça, c'est difficile à comprendre, je crois. Je crois que le bonheur, s'il passe, ça vaut le coup de le choper à n'importe quel prix. Le noir, le blanc, ça n'existe pas. Il n'y a que du gris. Et s'il décidait de rester, quand vous lui aurez tout raconté? Peut-être que je l'aimerais davantage. Allô? C'est madame. Elle a eu un accident. Quoi? Je pense que c'est grave. Elle est où? Forcez pas trop sur le côté, je suis triste. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vous ai jamais pris pour le chevalier blanc. Et que les « je t'aime, mon amour », c'était plus « je t'aime, mon pognon ». J'ai appris il y a pas très longtemps que sa maladie, c'était du bidon. J'ai jamais vraiment aimé, mais... ce jour-là, je crois que j'ai commencé à la détester. Et j'ai tout fait pour lui soutenir un max de pognon. Mais bon, la vie en a décidé autrement. Vous voilà riche bœuf. À moins que la vie en décide autrement. C'est-à-dire? Bon, ça va rien dire. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je crois qu'elle va me manquer. C'est incroyable, non? Non. Tout est gris. Salut. Elle est où, Laura? Faut que je lui parle. Eh ben non, Laura est pas là. Et pour lui parler, il va falloir prendre un avion. Elle est partie rejoindre sa sœur en Afrique du Sud. Et ne demande pas l'adresse, hein, parce que même si je la savais, je t'attendrai pas. Bonne journée. Passe pas 15 ans de vie commune comme ça. Je crois que finalement, je l'aimais bien. J'imagine que c'est compliqué pour toi, mais nous, ça fait peut-être une autre vie pour nous. On va pouvoir se voir plus souvent, faire des voyages. Qui sait, on va peut-être même se marier. Pas d'enfant. Hein. Puis tu vas sans doute retrouver un boulot moins rock'n'roll. C'est un très beau programme, mais je compte pas retravailler. Il te faut du temps, comme tout le monde. Surtout qu'elle a déshérité son mec depuis le début. Je suis sa légataire universelle. Pardon? Elle t'a légué toute sa fortune? Enfin, il y a les droits de succession. J'imagine bien les droits de succession, mais il doit quand même rester un sacré paquet de pognon. Ah, c'est pas vrai. Dis-moi que je rêve pas. Bah non, je rêve pas. Mais... enfin, t'imagines tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce fric? Pas on, Lucas. Je comprends pas. Bah non, tu comprends pas.
parce que tout est gris.